Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo Diamant Painting. Donc j'ai reçu ça de Ibroderie Diamant France. Donc voilà, j'ai pas déballé, j'ai reçu ça aujourd'hui et du coup on va procéder à l'unboxing. Alors bon, faut que j'arrive à ouvrir le scotch. J'aurais peut-être dû prendre un ciseau. Bon. Je vais faire comme ça. Donc derrière, vous devez entendre le petit climatiseur là. Ça a l'air de marcher. J'espère que ça ne vous gêne pas au niveau bruit. Donc voilà. Alors, après, voilà. Je vais y arriver. Donc, tout doit être dedans. Hein. Donc voilà, toile super qualité. Là, c'est les numéros. Donc voilà, j'ai reçu le petit diamant carré. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, autrement, je vous mettrai la photo à la fin. Donc, c'est plein d'oiseaux en fait dans la jungle. Donc vous avez des perroquets, toucans je crois, enfin voilà, il y a plein d'animaux. Donc une petite toile je crois qui fait 40 par 50. Voilà, je vais vous montrer les dimensions qui sont marquées là. Donc voilà, 40 par 50. Donc voilà, je vois comme là sur ma table, c'est nickel hein, c'est la grandeur. Voilà, la toile épaisse, donc top. Voilà pour ça. Et toutes les couleurs des diamants. Donc, les couleurs sont belles, sont colorées. Je vais en avoir pas mal de paquets jusqu'à. Voilà. Donc voilà, des petits sachets. Donc ça, c'est un kit YouTubeur. Donc en dessous de la vidéo, en barre d'infos, vous aurez un code de 10%. Donc voilà, pour toute commande. Donc je vous mettrai le lien. Et ainsi que le site de Ibroderie Diamant. Donc voilà pour ça. Donc toutes les petites couleurs. Alors, on va regarder combien il y en a. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bon bah énormément de verre, hein, ce qui est normal vu qu'il y a la jungle. Je suis, bon, 17, je compte le nombre de sachets alors que j'ai ça sur la feuille. En fait, j'en ai 34. Mais bon, je recontrôle comme ça qu'il y a bien les 34. Alors, donc ça c'est le 2. Voilà, ça c'est le 5. Ouais, il faudrait que je les range par ordre, ce serait pas mal. Il y a le 4, le 5, le 3, le 2, donc. Alors, il doit y avoir le 1 quelque part. Le 6. Ça c'est le 12. Le 7. Le 8. Voilà, on a le 10. Donc on va mettre le 9 après.
Voilà le 9 qui est ici. 11. Je l'ai vu tout à l'heure, le 12, donc là il y a le 13. On va mettre le 13 là. Ah voilà le 12. Hop, beau vert comme j'aime bien. Là. 12, 13. Alors. 27. Ah le 1 et voilà. Le rose. Voilà. Alors, on est au 12, 13. 16 là, le 14 qui est ici, du coup je peux mettre ouais, 11, 12, 13, 14, alors il y a 18, le 20, c'est plus facile comme ça, on a 19, là voilà, 19, 20, 21, voilà. Alors, on a dit, ça doit être celui-ci, le 15, voilà. 14, 15, 16. Alors, on a encore le 17 qui manque à l'appel et qui est là. 21, donc après, il en reste beaucoup moins. Voici pour le 22. Le 23. Le 24, le 25. 26, 27. Le 28, le 29, alors ça, le 34, c'est le dernier, le 30, le 33, et voilà, toutes ces couleurs, voilà, là, vous avez tout en plan, voilà. Donc voilà, pour toutes les couleurs, donc voilà, il manque aucun sachet, donc en principe, il manque pas de diamant non plus, hein. C'est le deuxième que je reçois de chez eux, et franchement... Il n'y a pas de souci. La seule chose, l'autre que j'avais pris, il était trop grand, pas évident à filmer. Je n'ai pas encore filmé, parce que je mets énormément de temps à faire. J'en fais de temps en temps. C'est vrai que je n'ai pas cherché à refaire des vidéos avec vous. Mais celui-ci, comme il correspond à une taille de table, ce sera plus facile pour vous montrer. J'ai dit, je vais prendre tout petit pour essayer... Donc celui-ci par contre c'était que des diamants carrés. Il n'y avait pas le choix entre les ronds et les carrés. C'était diamants carrés. Moi ça ne me gêne pas, c'était ce que j'avais pris déjà au premier. Parce que j'avais l'habitude aux ronds et puis là je suis partie sur les carrés. Donc voilà pour le unboxing. Donc je pense que voilà le petit kit. Hein, je pense qu'ils ont arrêté de mettre les beaux je sais pas comment ça s'appelle, stylés là. Ou ils ne mettent pas parce que la toile est plus petite, c'est possible aussi. Hein. Mais bon, normalement, c'était des kits youtubeurs, ils étaient comme ça. Mais ça a tellement de fait polémique, je pense qu'ils ont dû arrêter à cause de ça. Bon, je comprends aussi parce qu'il y a eu tellement d'histoires à ce niveau-là. Il y en avait qui ne recevaient pas quand ils commandaient alors que c'était juste offert pour les youtubeurs. Donc bon, voilà. Moi ça ne me gêne pas, je me sers, du coup je me sers même pas de l'autre, je me sers de celui-ci. Par contre il est bien parce qu'il tient bien, parce que l'autre, la seule chose que j'avais reproché c'est que ça tient pas du tout sur l'autre, mais là nickel. Donc moi je me sers de celui-là, en fait je me sers pas du bout, j'ose pas m'en servir. La pince qui est super pratique, franchement elle est vraiment nickel, vous voyez. Des pointes très fines, vous pouvez vraiment bien attraper les diamants. Parce que moi j'ai tendance à renverser... souvent, soit la petite barquette, ou moi comme j'ai mis ça dans des piluliers, ça évite, je les mets par numéro, j'ai deux piluliers pour l'autre. Je crois qu'à l'action ils ne les font plus, il faudra que j'aille voir la semaine prochaine si ils le font, parce que c'est vrai que je trouve ça pratique, je
mets ça dans les petites cases, hein. Je vide au fur et à mesure, hein. Les sachets entiers n'y coulent pas. Pour les petits, si, ceux qui n'en ont pas beaucoup, oui, mais bah, ceux qui en ont beaucoup, bien sûr, je les remplis au fur et à mesure, mais franchement, c'est plus pratique. Donc ça, bah, c'est la petite colle, hein. Ça, c'est, je crois que c'est pour enlever un peu les pluches, tout ça, la colle. Le petit bac, donc voilà, tout est complet, tout est nickel. Donc de toute façon, je vous ferai une vidéo dessus, hein, sans problème. Je vais peut-être essayer de le faire. Alors, soit je vous ferai une vidéo en accéléré, ou je verrai si je vous fais une vidéo diamant painting and chat en même temps. Donc voilà pour les. Ouais. Ça c'est le récapitulatif des couleurs, donc nickel. Mais moi, je me sers surtout toujours. Ben, c'est sur la toile. Hein. De toute façon, vous avez ces répertoriés là. Donc en fait, quand vous décollez, voilà, je vous montrerai. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc là le P, donc c'est le P, c'est le sachet 19. Voilà. Donc et puis vous découpez par petits carrés. Voilà. Moi, j'avais tendance à tout décoller d'un coup pour l'autre. Et maintenant, c'est ce que je fais parce que ben, ça a attrapé toutes les saletés, les petits poils, les petits trucs. Donc, bon, j'ai des petits toutous à la maison. Donc, et en fait, c'est vrai que c'est moins facile. Donc, voilà, j'ai vu que beaucoup faisaient comme ça. Donc voilà, donc il y aura une vidéo diamant painting qui suivra. Suivra peut-être pas l'unboxing, mais qui suivra... dans le mois de juillet, puisque là maintenant on arrive au mois de juillet, donc je ferai une vidéo ça, donc comme je vous dis, suivant comment que je serai, soit je vous ferai une vidéo directement en accéléré, vous me verrez faire, surtout que moi sur mon logiciel de montage j'ai que du x2, donc c'est pas accéléré à ce point là, donc voilà, ça va encore, donc peut-être que je ferai une vidéo comme ça en accéléré. Et puis, de toute façon, en temps de la faire, je pourrais peut-être même vous refaire une vidéo Diamant Painting and Chat directement. Donc franchement, ben, je remercie Broderie Diamant de m'avoir contacté et de m'avoir recontacté et de m'avoir envoyé cette toile. Franchement, j'en suis très satisfaite. Hein, et puis, par la suite, ben, je ferai une vidéo démonstration. Puis comme je vous dis, vous aurez, pour ceux qui veulent commander, il y a une réduction de 10%. Avec le code qui se trouve sous la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, si des fois, il y a un souci au niveau du code, n'hésitez pas non plus à me le dire. Après, les livraisons, moi, celle-ci, entre le temps qu'ils m'ont dit qu'ils l'envoyaient, ça a vraiment été rapide. Même pas une semaine, je l'ai eu, donc voilà. Mais bon, après, les délais varient. Hein. Vous pouvez même demander par rapport à une photo, ils vous feront aussi un diamant painting par rapport à une photo que vous voulez, soit de votre compagnon, votre petit chien, votre animal de compagnie que vous avez, soit de vos enfants, d'un dessin que vous aimez beaucoup, voilà, il y a pas de problème, ils font aussi tout ce qui est à partir de photos, donc là par contre, faut être un peu plus indulgent parce que là les délais sont beaucoup plus longs. Puisque ben, tant qu'ils refassent votre photo, préparent les diamants, tout ça. Donc là, le délai, je dirais, il faut compter pas loin d'un mois quand même, je pense. À peu près, après, tout dépend des livraisons, tout dépend. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, donc, ben, j'espère que ce petit unboxing de diamant painting vous aura plu. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end, bon colo, bon diamant painting hein, pour ceux qui en font. Je sais que vous êtes pas mal à en faire aussi. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !